est soumis clairement et loyalement à l'appréciation de l'opinion publique, qui pourra ainsi mesurer le chemin parcouru et cerner, comme nous l'avons fait nous-mêmes, les divergences que le Parti communiste français et la Fédération de la gauche démocrate et socialiste s'attacheront à réduire dans le cadre d'un dialogue permanent. La Fédération est parvenue à cette nouvelle étape de son action en renforçant son unité. Les choix de forme minimum d'action commune qui vient d'être adoptée ne constitue pas un programme commun de gouvernement, car si les convergences existant entre les deux formations sont devenues plus nombreuses, il subsiste aussi des divergences, notamment en ce qui concerne l'ampleur des nationalisations à réaliser et la politique étrangère. Sur le plan politique, il est à peine besoin de confirmer que si nous sommes pour une entente solide entre tous les partis de gauche, nous restons résolument hostiles à toute alliance avec la droite camouflée sous l'étiquette du centrisme.